LP, ça ne vous dit peut-être rien, et pourtant, elle est parolière de Rihanna, entre autres. Et elle est passée de l'ombre à la lumière grâce au tube Lost on You, écouté plus de 50 millions de fois sur YouTube. Cette américaine, à la voix si particulière que certains comparent à Bob Dylan, dévoile aujourd'hui son nouvel album. Ludovic Samin, Jean-Baptiste Jacquet et Arthur Dehay. LP, deux initiales, mais tellement de facettes. Laura Pergolizzi, de son vrai nom, mais qui êtes-vous vraiment? On ne sait par où commencer. Hold on. Anything on my teeth? Elle est d'abord une Américaine de 35 ans tout bonnement sympa et amusante. Elle est ensuite une artiste au look atypique, à la voix étonnante, qui a séduit l'Europe avec son tube, Lost on You. Mais musicalement, qui est-elle? J'aime les Beatles et les Stones, Jeff Buckley, Adele, Bruno Mars et Sia. J'adore plein de trucs. Mais bon, je pense que j'ai plutôt une sensibilité rock. Continuons l'enquête. Une particularité, LP est une siffleuse hors pair. Et ça, ses fans adorent. Et voici une énième facette. En pleine tournée européenne, elle montre une grande proximité avec son public. Est-ce que c'est tout? Non. LP est aussi une femme ouvertement homosexuelle qui partage régulièrement sur Internet des photos de sa vie privée. Je ne cacherai jamais qui je suis. Et en même temps, je n'aime pas dire homosexuelle, c'est ce que je suis. Comme si ça me définissait. Je suis aussi une personne, une artiste, une auteure. Je suis toutes ces choses. Ne lui collez donc pas d'étiquette, vous perdrez votre temps. Écoutez plutôt son album sorti aujourd'hui et attendez son retour en France prévu pour le mois de mars pour voir en vrai cette femme singulière et plurielle. C'était le journal de la rédaction.